Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va super. Alors, d'après vous, on est... dans les mondes Minecraft. Et vous voyez qu'en haut c'est marqué Test Ville S2. Et vous voyez aussi au titre de la vidéo que c'est marqué La Ville Moderne Saison 2. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bah tout simplement, La Ville Moderne Saison 1. Donc ça fait bien plus d'un an. Normalement les saisons c'est par an, il me semble, qu'elle est créée. Donc c'est pour ça que je vais créer une saison 2 de la ville moderne qui va commencer tout de suite, maintenant, immédiatement. Là on va faire la map ensemble. Avant je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Je fais ça tout simplement parce qu'il y a une petite mise à jour du pack qui est sortie. D'ailleurs c'est grâce à vous, je le sais, merci à ceux qui me l'ont dit dans les commentaires. Et donc j'ai été voir, et bah oui, bah j'ai vu, j'ai été vraiment très surpris. Quand j'ai mis le pack en fait, tous les blocs, enfin... on va dire 80% des blocs ont été changés au niveau des textures. Et vous aurez peut-être un peu de gameplay en arrière-plan là pour voir à quoi ça ressemble. Mais la ville moderne ne ressemble absolument plus à rien du tout. Tous les blocs sont changés, donc c'est moche, laid, tout ce que vous voulez. Et donc je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit je fais une saison 2 et on repart à zéro avec un nouveau pack, des nouvelles idées et des bâtiments toujours plus gros et modernes. Soit... on reste en 1.10 et on continue à faire notre ville, mais en 1.10. Ce que je me suis dit, bien sûr, ça pouvait pas se passer comme ça parce que, par exemple, quand on sera 3 versions plus loin, on aura peut-être des nouveaux blocs et moi, j'aurai pas accès à ces blocs. Donc voilà, au bout d'un an, en 1.10, on va clairement s'ennuyer. Une autre chose, la ville moderne, ça fait 3 ans qu'elle a commencé. Donc voilà, je pense que c'est temps qu'elle se finisse. Il y a à peu près 92 épisodes. Presque 100, donc voilà, j'en sortirai une petite cinématique finale dans pas longtemps, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi elle ressemble, on va dire grosso modo fini, hein. Il n'y a pas tout fini, vous le savez très bien, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir cette nouvelle saison? Certains vont être très contents. Déjà je vais expliquer tous mes bâtiments, donc c'est-à-dire que je donnerai les mesures, parce que je me suis assez fait insulter dans la première partie de la ville moderne, la saison 1, comme quoi dans le début de mes vidéos j'expliquais pas du tout. Donc voilà, on aura du relief, nouveau truc, parce que dans l'autre ville il y en a eu mais très très peu. Cette fois-ci j'essaierai d'en mettre beaucoup plus. On aura des bâtiments beaucoup plus gros et surtout beaucoup plus stylés. Regardez, je vous mettrai un petit peu de gameplay et du pack de textures que je vais utiliser pour la saison 2. Il est juste parfait ce pack. Les trappes ont été retexturées en bloc plein, donc on peut faire des murs, vous voyez, de l'épaisseur d'une trappe. Donc c'est vachement pratique, plein de choses ont été retexturées en frigo, en pneus de voiture, enfin voilà. Tout ça, tout ça. Donc certains vont me dire, oui mais qui ne te dit que pour les prochaines versions, ce pack ne va pas être modifié? Et bien tout simplement parce que ce pack c'est le pack d'un serveur qui lui aussi a une ville moderne. Et forcément ils ne peuvent pas modifier leur pack, sinon ça veut dire que ça changerait absolument tout leur bâtiment. Donc c'est pour ça que là de ce côté on est safe. Voilà. Donc, les amis, c'est parti, vous êtes prêts? Nom du monde. Ville moderne, saison 2. Hop. Et je vais également vous expliquer comment faire les maps toutes plates, parce que vous me le demandez tout le temps. On va se mettre en créatif, plus d'options. Structure, on va mettre nom. Type de monde, on va mettre par défaut monde plat. Et là, on va cliquer sur personnaliser. On va dans pré-réglages. Et là, bon, cette fois-ci, on aura de l'herbe et des arbres. Mais tant pis, ça me va. On va aller sur monde par défaut, utiliser. Vous voyez, ici on aura couche en roche 59, donc ça me va largement. Pré-réglage. Et vous voyez tout le code qui est au-dessus. Vous allez aller tout au bout avec votre petite flèche. Quand vous avez dungeon, vous supprimez donjon, parce qu'on n'en veut pas. Vous supprimez lava lac, c'est le lac de lave. Et vous supprimez lac. Et vous vous arrêtez à Minecraft. Mineshaft. Voilà, tout simplement. Quoique Mineshaft, on peut peut-être l'enlever aussi. Ouais, Mineshaft, Stronghold, allez hop, ça vire. On s'en fout, on en a pas besoin. On va enlever également Village. Tac. Et normalement, on est bon. Alors, je regarde juste... Oui, on est bon. Ensuite, on va faire Utiliser. On va faire Terminer et on va faire Créer un nouveau monde. Et nous allons apparaître sur la ville moderne saison 2. Et voilà, nous y voici. Pour ceux qui voulaient savoir comment avoir une map toute plate avec de la profondeur, tout simplement.
Voilà les amis, donc bah, j'espère quand même que ça vous plaira. J'espère qu'il y aura toujours autant d'auditions parce que La Ville Moderne avait vraiment baissé en audition. Hein. On tourne autour de 400-500 vues, avant on était à 1000. Donc soyez présents mercredi, vraiment mercredi soir. Premier épisode de La Ville Moderne saison 2. Petite référence à La Ville Moderne saison 1 d'ailleurs, vous verrez ça mercredi soir. Donc voilà, dites-moi vos retours en commentaire, ça vous plaît, ça vous déplaît, les trucs bien, les trucs moins bien. Sur ce, je vous laisse et puis bah, je vous dis à mercredi. Allez, ciao tout le monde.